Alors, voilà. Numéro 1. C'est parti. Bon. Soigne bien ce toxer gris là. C'est passé. Sacré. À distance verticale, 1m60. Ouh. C'est bon. On tourne à main gauche. Oui. Oui. Allez. Oui. Attention la ligne. Le bidet. Oui. Parfait. Il contrôle bien. Il a bien le contrôle. Il tient bien sa jument entre ses jambes. C'est bien négocié cette ligne. Oui. Il a bien, très bien remis très bien. Allez. Des soignants au hasard, tout bon équilibre, tout son sang-froid là. Oui. Dernière ligne, Kevin. Attention. Voilà. Et l'observe. On est prêt. Oui. Double de verticaux. Hop, hop. Hop, hop. Bien. Le dernier. Et bien voilà le sang faute. Oui, voilà, parfait. À Aix-la-Chapelle dans cette deuxième manche pour Kevin Stout. La raison de lever le point après la ligne d'arrivée de cette si difficile parcours. Superbe. 70-28, comme il est plus rapide en plus que Berboom qui était en 73-64, et bien c'est la nouvelle pole position dans cette mythique Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Elle l'a regardé quand même, hein, ce grand bidet. Très beau parcours là. Ouais, parfait, parfait. Bien joué. Bien monté, bien joué, comme vous dites, Kamel. Mais c'était bien monté. Bonne cadence. Parfait pendant et très bon tempo. Alors. Andreas Kröser avec Chacobo. Oh là là. Il fait déjà tomber le numéro 1, le jeune cavalier. On est bien avec nos 4 points, hein, Kevin. Ouais, très bien. On est très bien. Hein. Sur ne pas lourdir son score. C'est pas du tout repos là-dessus, hein? Non. Cheval qui a beaucoup de force mais qui n'est pas des plus faciles à gérer. Qui doit pouvoir sauter 2 mètres, mais la difficulté est plus entre chaque obstacle que sur l'obstacle. Il l'emmène. Des bons biceps. Pendu sur les rênes. Hein. Très près, mais sort parfaitement bien de ce double de verticaux. Et le dernier. Et voilà. Et dommage quand même, c'est 4 points comme ça en début de parcours. Sur cette deuxième manche pour la nation. Et oui, regardez, papa, maman, là, ça rigole pas, de Jens Frederik Meyer. Ils sont en plus les parents propriétaires de tout ce à cheval. Fait. Une belle histoire. Et attention, pourquoi pas le sacre d'une Allemande ici. Alors là, la tribune. C'est là où il ne suffit pas de savoir monter à cheval, c'est là où il faut avoir un mental de champion. Ouais, du sang-froid. Sans froid. Ne pas avoir la peur de gagner. Il ne faut pas transmettre à son cheval. Faut l'envie de gagner sans être tendu, sans être crispé. Parce que vous le transmettez à votre cheval. Allez. Allez. Ouais. Attention. Allez, reprends là. Reprends dans le virage. On passe dans l'ombre. Oh là, que le postérieur n'était pas loin. Eh oui. Kuhnmann qui n'en peut plus. Oh, c'était long. Elle est à rien. Regardez, on rentre dans l'ombre, là, regardez. Elle est à rien d'un exploit. C'est l'horreur. Attention. Attention. C'est 50 000 personnes qui vont... Hop. C'est bon. Ça tient. Elle a peut-être rendez-vous avec l'histoire. Non. Oui, eh bien, elle ne l'a pas manqué. Elle va peut-être gagner le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Une seule peut venir la chercher. C'est maintenant une femme, Luciana Diniz. Mais pour l'instant, la seule femme double sans faute, ce que vient de faire là, Jens Frederik Meyer, est formidable. Je vous l'ai dit, très peu de femmes ont remporté ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Incroyable, c'était vraiment beau.
Betty Madden, Kursinski. Elle a montré ça avec une décontraction. Avant elle, une jeune femme allemande, Meredith Michael Verboom, l'a gagnée. Tout ça devant ses parents qui sont propriétaires de ce cheval. Il ne reste plus qu'une femme. Et l'empêcher de repartir avec le trophée sur le Challenge de Nice. Il faut qu'elle soit sans faute. C'est formidable. Formidable ce que vient de réaliser là Jens Frederik Meyer. Bon, maintenant c'est Luciana. Si elle nous sort sans faute, la tension extrême, une bagarre de femmes. Incroyable. Regardez, c'est beau. C'est magnifique. Ce sport, je l'ai toujours dit, Marcel, se conjugue parfaitement bien au féminin. La preuve encore ici en Allemagne. Quelle championne. Bravo. Eh oui, la Mannschaft, ravie évidemment. Ah, dites donc. Quel beau sport. Ils peuvent être contents, les parents. Quel grand prix. Attention, la portugaise. Allez. Allez. L'écurie Méotri est au départ. Ça, c'est pour moi, je l'avais donné favori. Attention. Chut, maintenant, on dit plus rien. Oh, le soleil, il m'agace un peu. Regardez l'ombre devant le cheval, l'ombre. Tire. Bon, oui, c'est bon. Ça, elle passe pas le bon, c'est parfait. Pop, reste derrière. Reste calme, Denis. Super. Attention dans l'ombre. On passe dans le noir là. Oh, calmement dans ce virage. Oui. Il était délicat celui-là. Attention là. Ne partons pas trop grand. Ah, c'est long. Oui, aïe aïe. On rentre dans le noir. Oui, Denise, il en reste 4. Ok, attention. Doucement la main, tire. Elle l'a peut-être elle aussi rendez-vous. Attention. Avec ce grand prix. Non, Luciana Denise, non, pas sur le dernier obstacle. Non. Pas avoir fait tout ce travail pour faire tomber le dernier. Non, c'est pas possible. Ah, quelle déception pour l'Espagnole, la Portugaise, pardon. Quelle déception. C'est dur parce que elle a monté cette deuxième manche de manière formidable. Est-ce qu'elle un peu relâchée sur le dernier, je ne sais pas. Ce qu'elle a fait est quand même formidable. Elle a tenu jusqu'au bout, malheureusement, et sportivement, elle salue le public allemand. Et vous voyez, Jens Frederik Meyer qui inscrit son nom. Une femme remporte, une autre allemande après Meredith Michael Verboom. Remporte ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle sans qu'il y ait eu un barrage. C'est donc un fait historique pour ce Grand Prix ici en Allemagne. Et oui, évidemment assailli par les télévisions allemandes. Denise, quelle déception. Elle méritait vraiment son sang-froid. Il n'a pas tutoyé une barbe. Eh oui, évidemment, déception pour cette cavalière, Luciana Denis, qui, alors, si mon ordinateur ne dit pas de bêtises, parce que je n'ai pas vu le synthé, devrait prendre la quatrième place. A priori, c'est ça. Hein. Jens Frederik Meyer, donc, qui remporte donc ce Grand Prix, et Kevin Stout, a priori, deuxième. Si j'en crois mon ordinateur, je vais attendre la confirmation. On attend la confirmation. Je vais attendre la confirmation. Ce serait beau, hein. Du synthé. Il était quand même l'année dernière déjà parmi les tout bons, puisque cinquième. Voilà pour de ce Grand Prix. Ah oui, pour Denis. Pour elle, c'est évidemment très dur pour nous aussi parce que c'était la fin de ce parcours. A priori, Kevin est bien deuxième de ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle devant Andreas. C'est génial. Bravo, Kevin. Canadinis, quatrième. Ludger Verboom, 5. Karsten Ottenagel. Qui est à la 6e place, 7e Sergio Alvarez Moya, 8 Philippe Beihoft, 9 Gerko Schroeder. On va avoir la confirmation. Voilà. Coup de chapeau Kevin à deuxième. Kevin. Et oui, avec ce bravo. Tout bon 70. Jens Frederik Meyer donc remporte ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle devant le Français Kevin Stout, 3 vous l'avez vu Kreutzer. Quel beau Grand Prix encore. Quatrième. Oui, le Challadini se retrouve quatrième de ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle.
On voit encore hein, ce qui était déjà tout bon l'année dernière reste dans les clous, hein, puisque Luciana était sixième, c'était cinquième l'an passé. Olivier Guillon, treizième, bien joué.